Alors que, eh bien, Lonefingus arrive. Donc, on va faire monter Tsunoka pour qu'il te rejoigne, Oxido. C'est ça, c'est bien votre duo. Exactement, qui sera à la manette, là. Tsunoka. Bonjour. Bonjour, Tsunoka. Lonefingus qui va commencer sous peu. Eh bien, je vous laisse. Bon commentaire et à toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très cher Bigot. Bonjour, Tsunoka. J'espère que tu vas bien. Eh bien, ça va très bien. Ça va très bien. Et toi? Bah écoute, parfait, parfaitement. J'ai, comme tu le vois, ma PP est complètement raccord avec la thématique de Lonefungus, puisque nous allons jouer un champignon, un mignon petit champi. Avec un petit voilà, donc je suis ravi. De musique suite à l'incentive qui a été passé du coup. Alors, est-ce qu'on a également l'incentive pour jouer en normal plutôt qu'en explorer ou pas? Je n'ai pas regardé. J'ai pas regardé du tout non plus. Alors, je vais essayer de trouver l'information. J'ai l'impression que Quacksilver reste sur normal. Donc, à mon avis, l'incentive, le défi a été rempli. Puisque, oui, je pense que le défi a été rempli. Donc, on va jouer en normal, qui est la difficulté, disons, basique du jeu. On pouvait jouer en explorer, hein, c'est-à-dire la difficulté, la plus simple. Ça change pas énormément de choses au jeu. C'est surtout une question de points de vie. On va en avoir 5. Vous le voyez, c'est en haut à gauche, hein, au lieu de 7. Et puis, il y a une question aussi de respawn quand on meurt. Bon, voilà, on risque de revenir parfois au dernier sanctuaire qu'on a visité plutôt que de refaire uniquement l'écran. Mais ça change pas, ça devrait pas changer grand chose au run. Non, pour le coup, ça change pas énormément. On perd juste un petit peu plus de temps lorsqu'on meurt en normal, mais sinon, c'est juste la seule grosse différence. Et du coup, sur quelle catégorie on est? On est sur un True Ending, du coup, qui consiste à récupérer les 10 spells. Donc il y a 10 sorts qui sont disséminés dans le jeu. Et du coup, une fois qu'on aura atteint cet objectif d'avoir les 10 sorts, il faudra qu'on se rende à la surface. Tout à fait, alors ces 10 sorts, on va devoir les récupérer en battant 10 boss qui sont dispersés dans... Eh bien, dans cette carte qu'on va un peu voir des fois, puisqu'on va se téléporter aux différents endroits, donc vous pourrez la voir, c'est une carte, disons, assez typique, en fait, des Metroidvania, indé. Depuis une dizaine d'années, là, il y a eu quand même une grosse, grosse vague de Metroidvania indé. Tout à fait, et la particularité de ce Metroidvania, vous l'aurez peut-être compris, vu qu'on joue un champignon, c'est qu'en fait, on ne peut pas taper ce qui est au-dessus de nous, parce que notre chapeau est trop grand. Et donc c'est un Metroidvania où tout ce qui est au-dessus de nous est considéré comme inatteignable, entre guillemets. Trop grand, mais trop mignon également. Exactement. Voilà, et donc on a récupéré... alors on a récupéré une petite épée, hein, qui nous sert depuis le début là, à faire des petits coups de pogo, là, à pogoter un peu les ennemis. On va se diriger... tranquillement vers une première profondeur, puisque là, dans un premier temps, en fait, vraiment la première grande partie du run, ça va être d'augmenter un petit peu notre moveset, c'est-à-dire notre capacité à bouger, parce que là, vous voyez, pour l'instant, on est un peu lourd, on n'est pas très rapide, on est un peu lent. Ouais. C'est ça. Et donc c'est quelque chose qu'on va essayer de régler assez rapidement. Et là, alors voilà. Ah voilà. Très bien, très très beau, très très beau stun du boss. Le but du jeu, c'est de savoir frapper ce qui est au-dessus de vous. Bah du coup, la meilleure solution, c'est de se mettre au-dessus des ennemis. Voilà, un magnifique stun lock du boss. Hein. Il y a plusieurs ennemis comme ça, il y a plusieurs... Donc ça, c'est plutôt un espèce de mini-boss. Hein. Là, pour l'instant, on n'est pas dans les gros boss qui vont nous permettre de récupérer les fameux sorts dont on vous parlait. Mm-hmm. On est dans l'espèce de mini-boss, des boss tutos, hein, qui vont nous permettre de récupérer quelques éléments essentiels, disons, à notre parcours. Et notamment, là, nous avons activé, vous voyez, ces petites... c'est ce qu'on appelle les mush... je sais plus comment ça s'appelle, les mush machin, mush movers. Mush mover infusion. Les infusions fongiques, on peut les appeler si tu veux. Les infusions fongiques, c'est beau comme nom. Et quand on pogote dessus, eh bien, ça nous permet, vous le voyez, hein, de sauter un peu plus haut et d'accéder à des,
à des surfaces auxquelles nous n'avions pas accès auparavant. C'est très souvent dans la direction. Donc, par exemple, vous voyez que là, c'est des petites flèches. Si on tape une flèche à la verticale, on va aller en l'air, etc. Donc, vous voyez que déjà, on va un petit peu vite. Je crois que c'est... Alors, sans présager de la suite du run, mais je crois que c'est un des speedruns où il y a... où l'évolution de la vitesse du personnage et de la vitesse de mouvement est la plus exponentielle. Oui, exactement. De toute ma vie. Vous allez voir que ça va aller de plus en plus vite, vraiment. Oh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est pas mal ce qu'elle a réussi à faire. Oh, oui, c'est très, très bien. Très, très bien, parce que le Magus statue, là, peut vraiment se mettre à troller un peu. Si on n'arrive pas à le stunlock en haut de la zone, là, elle peut vraiment descendre en bas à gauche, en bas à droite, enfin se mouvoir un peu partout et rendre le fight un peu pénible. Et là, du coup, on a gagné une compétence en tapant ce boss qui nous permet de invoquer un petit champignon. Et donc, on a des petites optimisations où quand on fait spawner un champignon et qu'on se retourne, et ben on gagne un petit peu de vitesse. Voilà, sans doute un hommage, évidemment, au dash inversé de Castlevania. Exactement, totalement même, je pense. Sachant que ce jeu Je pense que c'est assumé, oui. Il y a vraiment des trucs très, très... Metroidvania qui a été fait par une seule personne, du coup. Basti. C'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs, le Gunfung Goose 2 est d'ailleurs en préparation. Voilà, donc là on traverse, vous voyez, donc horizontalement, pardon, on traverse un peu plus vite, hein, puisque nous pouvons désormais faire des espèces de, des sortes de semi-dash, on va dire, des semi-dash inversés. Et là, vous voyez, petit skip, hein, en utilisant nos spores, là, sur lesquels on peut rebondir, qui nous permettent d'accéder à la reine l'œil démoniaque. Hein. La reine l'œil démoniaque, un peu plus rapidement que que la logique du jeu est cassée, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout censé être à ce niveau-là, on n'est pas du tout censé utiliser nos spores de cette façon. Oui, voilà, donc là on est déjà dans ce qu'on appelle un séquence break, hein, c'est-à-dire qu'on va faire les choses un peu dans le désordre, en fait, il y en aura plusieurs tout au long du run, parce que la reine œil démoniaque, là, c'est en fait un boss assez puissant, en fait, elle fait partie de ces boss qui vont nous donner des sorts. On n'est pas censé aller combattre comme ça... trop rapidement. Du coup, on le voit pas énormément, on le voit un petit peu. Il y a une mécanique de parrain, pardon, où lorsqu'on donne un coup d'épée sur un projectile, tout simplement, on va le renvoyer à son destinataire. Ah, c'est bien, elle a réussi à se mettre au-dessus, c'est parfait. Ah, c'est pas mal. C'est parfait, très bien. Oui, une mécanique de pari et qui d'ailleurs sera améliorée un peu plus tard. Tout à fait. Et donc là, nous avons obtenu. On va un peu plus vite, on a obtenu le dash. Le dash. Ah non, pardon, la Queen Evilla, c'est pas une des... C'est... Elle donne pas de sort, pardon, je confonds avec non, un autre, pas encore. Autre boss. Non, c'est le boss, c'est le boss suivant, là. Ouais. Oui, c'est ça, c'est le boss suivant, là, pardon. Oui. C'est ça. Donc on a obtenu le vrai dash horizontal. Et nous traversons une zone un petit peu futuriste. Et là, vous voyez, donc la vitesse est désormais beaucoup plus grande, notamment la vitesse horizontale. Hein. Ça n'a plus rien à voir avec le début du jeu. Et le quatrième boss, du coup, le maître des blocs démoniaques, je ne sais pas. C'est... Master Block Monster. Ou du coup, voilà, la mécanique principale, c'est on pourrait aller le taper directement, mais les balles rebondissantes font beaucoup plus de dégâts. Du coup, on va juste lui envoyer des balles rebondissantes. Ouais, c'est vraiment une petite chorégraphie hein, qu'il faut maîtriser. Et c'est d'ailleurs le premier sort qu'on récupère. Et voilà. Qui est du coup le sort de faire apparaître des balles rebondissantes. Voilà, sort fondamental parce que... Alors, il y a des petites techniques de skip hein, avec les balles rebondissantes. On peut, effectivement, quand on les utilise, pogoter dessus également. Donc ça va nous permettre un peu plus tard dans le run là, de faire des petites dingueries pour notamment monter à la verticale de manière un peu abusée, mais surtout ça fait beaucoup de dégâts en fait. Hein. Oui, là, en fait, les boss. Les dégâts sont basés sur la vitesse de la boule. Donc plus votre balle rebondissante ira vite, plus elle fera de dégâts. Là, les prochains boss hein, vont être
un peu atomisé par cette babale. Oui, notamment le Skull King. Ouais. Donc le roi vis. Ah. Ok. Ah, c'est rare qu'elle le rate dessus là pour le coup. Ah, c'est dommage là. Hop, allez, est-ce qu'on peut retourner? Oui, c'est beau ça. Très très beau. Et vous voyez, donc, selon la vitesse, hein, ça enlève eh bien mid-bar, hein, vraiment. Là où notre épée fait 10 de dégâts, la boule rebondissante, au minimum, je crois, fait 50 de mémoire. Et lorsqu'on utilise bien les impulsions fongiques, dirons-nous, on peut arriver jusqu'à 70. Ouais, c'est vraiment... Notre personnage là devient assez vénère hein, avec cette balle rebondissante. Et maintenant, on va aller chercher la mécanique que Quack considère comme la plus broken du jeu, donc qui va lui permettre de quasiment tout skipper. Mais déjà, on voit des petites exécutions avec le double saut, plus, déjà envolé, voilà. Plus le dash vertical. Enfin, on est qu'au début, hein. On voit. Voilà. Ah, voilà. Et donc, on voit le champignon s'envole. Vous avez vu les rebonds hein, sur la balle rebondissante, les bogotages. En fait, bon, en gros, c'est un peu complexe, hein, mais il y a moyen en fait, de réinitialiser le dash en pogotant sur une balle. Donc en fait, on peut les cumuler. Quoi. C'est ça. Dès qu'on pogo sur quelque chose dans le monde, nos dashs sont réinitialisés. Mid-bar, c'est ça, comme dans FF7. En tout cas, un champignon effectivement assez déter. Déter. Ah, oh, oui. J'ai pas fait exprès. Ah, c'est pas fait exprès, je vois. Non. Enfin, il est littéralement déterré d'ailleurs. Bon, oui, c'est vrai que pour le coup, ouais. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est notre but? Eh ben, c'est de tout simplement atteindre le sommet de enfin, retourner à la surface, pardon, plutôt, et de repeupler la Terre de champignons. C'est un but louable et noble. Donc là, voilà, on est dans la zone de glace. Il y a des petits pingouins qui nous glissent dessus. Et nous descendons, nous récupérons cet objet. Voilà. Voilà. Et là les dingueries commencent. C'est parti. Non mais là, ça voilà. On vient de récupérer ce qu'on appelle le rebond du sol, le ground bounce. Le rebond au sol. Mais comme le dit Quack, ça marche aussi sur les murs. Parce qu'après tout, est-ce qu'un mur n'est pas juste un sol vertical? Finalement. Non mais oui, c'est... tout à fait. Et donc là, vous voyez, hein, quand je vous disais tout à l'heure... un speedrun où vraiment la vitesse initiale devient complètement délirante à un moment. Il y a des zones là notamment, je crois, c'est maintenant à ce moment-là qu'on va traverser une zone horizontale, je crois. Vraiment de manière complètement abusée. Regardez ça, il faut pas cligner des yeux. Hein. vraiment, voilà, notre champignon qui devient carrément eh bien, un coureur de vitesse. Et on va gagner notre deuxième spell contre, du coup, le gros germe. Deuxième sort qui est le... Qui est la grenade de spore. Ouais, c'est ça. Voilà, ça. Alors, sachant qu'on ne l'a pas précisé, mais les spells sont lancés avec de l'énergie fongique, dirons-nous, qui est la barre bleue qui est sous les pointus. Donc on ne peut pas non plus en abuser. Tout à fait, mais bon, généralement, quand même, c'est assez suffisant pour tuer, disons, un certain nombre d'ennemis, de boss, en tout cas, ceux qui vont venir. Peut-être les derniers, il faudra un peu plus maîtriser la barre. Voilà, là vous voyez, on fait du ground bounce sur les murs et ça décuple. En fait, il y a vraiment une question d'inertie, de momentum hein, qui est utilisée. Oui, ça garde entre les salles justement. On verra ça pour un skip justement vers la fin. Regardez ça.
but you can still set it to update instantly, and we need it to update instantly for this route. Because we're going to be walking into certain rooms to just put their teleport points on the map so we can teleport. Là, on retourne du côté du, de la zone du Monster Blockmaster. It was one of the first times I did that. We'll be doing it again in just a second in the... Que l'on traverse, arrivé dans la zone de, du, de, des zones d'acide. Hein, la zone de l'acide est là. Et bien, encore un séquence break qu'on va faire. Normalement, on va avoir une piscine d'acide. Et vous allez voir que le jeu n'a pas prévu en fait que vous puissiez traverser comme ça gratuitement. Normalement, on est censé avoir quand même quelque chose qui permet justement d'accéder au-delà de la piscine d'acide. Et en fait, on va plonger. Hein. On va tout simplement regarder ça. Voilà. Alors d'abord, on va chercher un sanctuaire pour plus tard. Oui, pour l'instant, elle est sur un rythme de PB pour le coup. Sachant qu'actuellement, elle est 3ème sur la catégorie. En normal aussi ou que en explorer? J'ai pas fait gaffe là-dessus, je regarde ça. Non, elle a pas fait de run en normal. En true ending, elle est juste 3ème en explorer. Ok. Mais elle a des World of Force en catégorie, évidemment. C'est un jeu aussi, comme c'est un Metroidvania, c'est un jeu d'orientation, hein, bien sûr. Il faut savoir où on va, donc évidemment, Quicksilver le reconnaît par cœur son chemin. Mais de toute façon, quand vous êtes un champignon et que vous voulez savoir comment vous orienter, eh bien, vous allez sur le site Onicep. Onicep. Ouais. Et voici Rogue Armadillo, donc le tatou voyou des gars. Qui lance des couteaux comme tous les tatou voyous. Bien sûr, et le tatou voyou. Ah moi, il m'avait vraiment fait penser. C'est vraiment un hommage à Megaman. Ah, je l'avais pas vu. Oui, effectivement. Pour moi, c'est un hommage Megaman / Hollow Knight. Ça m'a fait. La première fois que j'ai vu ce combat, j'ai dit, mais c'est le combat contre Hornet, en fait. il y a vraiment je sais pas mais... Et du coup ce petit tatou il nous donne la capacité parce que c'était pas un sort hein, la capacité de faire des spin jump. Ouais, spin jump qui vont être très très utiles, on va l'améliorer. C'est le prochain normalement. Et alors là, le speed d'abord, jump, ça va être... D'abord, on a le moment où on n'a pas de pont, mais il faut qu'on trouve un pont. Donc on va utiliser des balles rebondissantes en boucle pour passer un précipice qu'on n'est pas censé passer. Voilà, vous voyez hein, la liberté de mouvement que nous donnent nos aptitudes, là. Encore une fois, comparé au début du run où on était vraiment tout lourd et tout petit et tout lent, là, maintenant nous allons dans les cieux, du champi. Ouais, ça va vite. La vitesse de déplacement ici, de traverser de ces écrans n'a aucun sens. Et là, on va arriver à ce petit séquence break pour le coup. Où on va utiliser 4 boules rebondissantes pour traverser un précipice. Voilà. On y arrive. Ce sont des endroits qu'on verra un petit peu plus tard pour la fin du jeu. Endroits qui sont assez dangereux en fait, en vérité. Hein. Pour le coup, je vois la question dans le chat, ces skips sont toujours faisables. C'est toujours dans la dernière version du jeu. Un passage qui fait un peu penser à Céleste. Et voilà, le petit rebond contre le mur. Et là, allez, c'est parti. Oh là là, mais quelle maîtrise! Magnifique, magnifique! On a juste utilisé 3!
jumping to Mush Mover and then back again so that you have enough time to like get the next bouncy ball out. Feeling good about. Et on va se diriger du coup vers le vers un autre boss. Je sais pas tous compter. Bah, là on a notre moveset là qui est vraiment à peu près complet quoi, c'est-à-dire qu'on a plus besoin de se déplacer plus vite que ce qu'on se déplace. Et vous voyez donc les coups de spin dash là, de spin machin, hop, on va défoncer la boule à facettes. C'est soirée disco qui va du coup nous permettre d'améliorer encore plus notre spin dash du coup, enfin notre spin attack pour le coup. Voilà, qui va nous permettre c'est pas non plus un sort, mais c'est quelque chose qui va nous permettre de vraiment d'être beaucoup plus consistant pour tuer les ennemis, notamment les boss de fin. Oui, quand même que les boss quand même commencent à devenir des vrais sacs à PV. Hein. Mais ça ne résiste pas à nos coups, de poing, à nos champignons. Voilà, là on brille de mille feux. Si je ne me trompe pas, on va se diriger dans les mines, je crois. Ou c'est plus tard. C'est bien ça. Ah non, c'est un petit peu après. Là, on va se diriger vers. Attends que je dise pas de bêtises. Ah, on va rester dans le domaine de l'électricité plutôt. Ah oui, c'est vrai. Voilà, on va d'abord récupérer. Alors la petite séquence brève aussi. Normalement, vous voyez ce rail. Hein, voilà, la vitesse de n'importe quoi. Et non, il y a un rail, une espèce de rail magnétique là qu'on est censé prendre pour monter. Cependant, pour le prendre, il faut avoir un sort qui est la Spark Ball que nous n'avons pas encore, mais ça ne saurait tarder. Peu importe, hein, j'ai envie de vous dire, c'est surfait de faire les choses dans l'ordre, c'est surfait. Et donc, on va taper le Seigneur électrique élémental, qui est juste Pac-Man en électrique, hein, pour le coup. Tout à fait. Mais regardez-moi ce spin dash, la violence de ce Great Spin. Oh là 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 là. Là-bas, on fait des roulades, hein. C'est comme Dark Souls, sinon. Sachant que je regarde en même temps, elle a pas de run. De attention, par contre, il n'y a plus qu'un HP, c'est bon. Ça va. Elle a pas de run en catégorie normale. Donc c'est dans tous les cas un PV. Bah oui, c'est trop possible. Après, ouais. Deals over 200 damage if all of the hits connect. Electric Elemental Lord was the tankiest boss in the game. Et maintenant, on va passer un peu dans un système de couloir un petit peu problématique parce qu'il y a beaucoup d'ennemis qui font beaucoup de dégâts. Oui, là avec 5 HP, je me demande si ça va pas être un tout petit peu compliqué. On a déjà perdu 2. Ouais, on va faire un peu attention. Beaucoup. Il y a des piquants partout, hein. Ça pique, ça tombe, ouais, allez hop. Elle est vraiment habituée au mode explorer, du coup on a 7 points de vie. Et on respawn au début de la salle si on meurt, donc pour le coup... Je me demande s'il ne va pas y avoir un peu de safeisation là, de sécurisation du parcours. Parce que c'est quand même assez dangereux. Ouf, là, plus un point de vie, attention, parce que là... Ce parcours-là, si on normal, on respawn quand même une fois au début de l'écran, il me semble. C'est ça, on a 3 vies. Et après, on respawn directement au début, enfin au dernier temple. Oh là là, c'est passé. Ah non, c'est pas encore fini. Okay. Oh, c'est bon, oh là là, magnifique. Hein. Là, le passage, vraiment, c'est habituellement très difficile. Même en explorer, d'habitude, il y a quand même une mort hein, sur cette descente. Et donc l'élémentaire de glace qui va vraiment pas faire long feu du tout. Vous voyez comme le spin dash. Le cas de le dire, il va pas faire long feu. Entame sa barre, il va faire long feu. Bien joué. La spin dash entame sa barre de manière complètement abusive. Normalement en 4 spin dash c'est faisable. Ah, si sachant qu'on sacrifie quand même un point de vie à chaque fois. Hein. Et c'est bon. Oui. Et donc là, nous avons récupéré, grâce à l'élémentaire de glace, eh bien, un sort qui va nous être très très utile, qui est un sort extrêmement puissant pour qu'on va utiliser sur tous les derniers boss, qui est le Vibrant Crystal, pardon, c'est-à-dire le cristal vibrant. Hein. En fait, une attaque d'éclat de glace. Et je crois qu'il y a 8 ou 9 éclats de glace qui
qu'on peut faire apparaître en fait en dessous de nous et les envoyer directement sur le boss. Et ça fait beaucoup de dégâts. Donc vous allez voir, c'est ce qu'on va utiliser. Donc là, on arrive dans les mines, hein, c'était ça dont je parlais tout à l'heure. Si vous voulez, on va l'utiliser notamment sur le boss des mines. Si vous voulez un indicatif, on le voit notamment au chapeau. Lorsqu'on change de chapeau, c'est principalement qu'on est en train d'utiliser un sort. Et puisque là, on a notre chapeau, il y a une incentive aussi pour le choix du chapeau. Hein. Tout à fait. Et du coup, ce chapeau qui se débloque lorsqu'on obtient la soundtrack du jeu. C'est par ailleurs le chapeau préféré de Quack, donc je pense qu'aussi c'est peut-être pour ça que l'incentive est passé. Alors ce boss, elle le fait quand même au spin dash, pardon. Je croyais qu'elle allait utiliser tout de suite le cristal. Oula, par contre, C'est Sheldon qu'elle l'utilise. Ah oui, c'est pour Sheldon qu'elle va le changer, c'est vrai, effectivement. Ah bah voilà, donc là, elle a pris, d'ailleurs, elle vient de changer son sort en même temps que le boss est mort. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on change de sort, on est avec le cristal, et donc on va l'utiliser sur les prochains boss. On est vraiment en train de finaliser l'acquisition de 10 sorts hein, nécessaires pour avoir la true ending. Et là, on en a déjà 5. Et on va passer sur le plus gros skip, entre guillemets, du jeu, qui est ce qu'ils appellent le sandal skip, qui est du coup dans cette zone où on va utiliser... On n'a pas parlé depuis le début, mais il y a des salles qui sont des salles silencieuses, qu'on appelle ça, où dans ces salles, on ne peut pas utiliser de sorts, donc les balles rebondissantes n'existent pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'inertie. Voilà. On va utiliser l'inertie générée dans la salle d'avant pour avoir énormément de vitesse et pouvoir traverser. Ah, dommage. Oh non, c'est dommage, ça. En explore, ça passe, mais du coup, effectivement, en normal. C'est vraiment dommage. Allez. C'est peut-être un petit peu mieux parti, ça. Allez. Ouh, oui. Ouh, de justesse. Très bien, très beau. Et on arrive sur Sheldon. Donc c'est sur Sheldon qu'on va utiliser notamment ce nouveau cristal vibrant. Elle change de sort ou de sport. Bien joué, Papyrox. De toute façon, finalement, cette runneuse, c'est qui dans l'e-sport ? Oh ! J'avais pas trouvé déjà. Nous avons battu Sheldon. Qui nous a donné je ne sais même plus quoi, mais bon, c'est des sorts qu'on va pas vraiment utiliser en fait. Oui, qui nous donne le marteau d'acide qu'on utilise absolument. Voilà, c'est ça, le marteau d'acide qui nous sert à rien. D'ailleurs, là, c'est pareil, là, vous allez le voir qu'avec son spin dash, là, elle fait tellement de dégâts qu'elle va pouvoir péter des rochers. Normalement, bise à rocher en dédicace, hein, mais normalement, on est censé avoir un autre sort qui s'appelle le sort berserk, mais vous allez voir que voilà, on n'a même pas besoin de ce sort pour péter les rochers. Et justement, on va aller le chercher. C'est ça. On est obligé d'aller le chercher, mais pour aller le chercher, on va aller un peu plus vite, on va dire. Là, on skip vraiment une grande partie de la zone. Hein. Aïe, aïe, aïe. Faire attention. Cette zone est... On n'est pas dans le pire moment de la zone en plus. On va rencontrer des petits fantômes qui vont pouvoir nous dasher dessus très très rapidement, donc il va falloir faire très attention. Ouais, là on voit que... Là c'est la prudence. Quoi que Silver sécurise le parcours. On n'a que 3 HP. Je crois qu'il lui reste qu'une vie après ça. Ouais, petit fantôme. Voilà, oulala, allez, c'est bon. Voilà, c'est bon. Et du coup, on va arriver vers un nouveau boss qui porte très bien son nom. Parce qu'on va arriver vers le Seigneur des Ténèbres, tout simplement. Qui va vite passer l'arme à gauche. Ce qui est assez ironique pour une faucheuse. Ils ont des bonnes têtes, les boss, je crois. Oui, c'est sympathique pour le coup. Ils sont pas très, très effrayants. Non. Surtout le tatou voyou qui est du coup le tatou voyou. Le tatou voyou est incroyable, ça.
Apparemment, c'est le boss préféré de la communauté. Ça ne m'étonne pas parce que c'est vraiment, il est vraiment chouchou, quoi. Oui. En même temps, comment il résistait ? Oui, Pepper, le jeu est très cool. Ça fait partie, j'en ai un peu parlé au début, mais ça fait partie de cette nouvelle génération de Metroidvania, là, 1D, un peu dans la continuité, évidemment, de Hollow Knight, notamment, mais pas seulement. Qui vraiment utilise les codes du Metroidvania avec beaucoup d'intelligence, en fait. Et propose vraiment des choses intéressantes, originales, qui ne se font pas de refaire pour la énième fois les mêmes recettes. Là, on a battu un boss, hein. Je sais pas si... Bon, c'est fait, ouais, c'est... On le précise plus. Il fallait pas les yeux, encore une fois, parce que... Voilà. Et maintenant, on va pouvoir remonter un petit peu. Ah oui, c'est remontada de l'enfer, là. Alors ça, oui, un petit passage un peu pénible. Ouh, c'est pénible, ça. C'est pénible. Oh là là, c'est pénible. C'est vraiment très pénible. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Elle s'est pas soignée. Ah si, c'est bon. Et donc le seigneur élémentaire de feu qui lui non plus ne va pas faire long feu, effectivement, ni longue glace. Et comme vous le voyez, hein, il nous manque plus que, et bien finalement, un seul. Alors, moi personnellement, c'est peut-être mon boss préféré, mais parce que je comprends pas ce qu'il fait là. Ah oui, le falafel corrompu, c'est ça ? C'est un falafel corrompu. Je n'ai aucune idée pourquoi il y a un falafel corrompu au milieu d'élémentaires de glace, de feu, mais... Voilà, j'ai des petites sautes de micro, là, enfin de haut-parleur. Il y a que chez moi, ça grésille ou pas chez toi, non, ça va? Oui, moi ça grésille aussi, ouais. Ah, ça grésille aussi, d'accord, je sais pas, c'est peut-être Discord qui est en train de décéder gentiment, c'est pas grave. Donc on a battu le falafel corrompu. Hein. Et maintenant on a tous nos spells. Et du coup maintenant, ce qui nous manque, c'est juste de retourner à la surface. Alors normalement, le jeu nous indique qu'il faut aller parler à un PNJ pour qu'on arrive, entre guillemets, au bon endroit de la surface. Mais le jeu ne vérifie pas ça. Le jeu vérifie juste si vous êtes sorti et si vous avez vos sorts avec vous. Point barre. C'est ça, oui, parce que là, on va remonter, en fait, par le mauvais chemin, techniquement. Par le chemin qui est pas le bon, pour normalement, pour la true ending de souvenir. Oui, ce qui se voit un petit peu, vu que là, vous voyez que c'est un petit peu compliqué de monter. Voilà, donc seulement on va évidemment utiliser, voilà, comme vous le voyez là, c'est incroyable. La mécanique, toutes les mécaniques qu'on a chopées qui nous permettent vraiment de faire... Oh, c'est dommage ça. Ah non, sur très, la très dommage. Voilà, donc on utilise le spell, comment ça s'appelle déjà, le spell cancel, je sais plus quoi. Oui, le qui permet en gros d'avoir le SPC, le spell pogo, voilà. Cancel. Spell pogo cancel, voilà, qui permet d'avoir en fait une hauteur illimitée, quoi, en gros. Mais qui a le disons l'embêtement d'être un petit peu lent. Mais voilà, c'est bon. Normalement, c'est passé. Et nous avons cette grosse flèche qui va nous emmener directement, et bien au plus haut des cieux, là-haut sur la montagne. Et voilà le premier boss, le Getter. J'avais l'Observer, mais c'est moche, donc c'est mieux le Getter, j'avoue. Non, le Watcher, aussi le Watcher, c'est celui qui guette. Oui, c'est vrai. Tour de guet, par exemple. C'est vrai, avec son petit œil, en plus avec son petit œil en projecteur. Le Getter, bon, qui est pas vraiment trop méchant comme boss, puisqu'on arrive à l'enchaîner relativement aisément. Et qui va laisser sa place, évidemment, au trou last boss. Au vrai boss, point d'interrogation, point boss. D'interrogation, point d'interrogation. Le fameux. Oh là là, quel mystère. Présent dans tous les jeux. J'ai envie de dire quel mystère, puisqu'il ressemble, oui. Il ressemble à mystère. Et bizarre, il utilise les mêmes compétences que nous avons. Sûrement au hasard. Est-ce que ce serait un Dark Champi ?
ça serait vraiment pas de boler que ça soit. Oh oui! Oui. Bien sûr, toute ressemblance avec, par exemple, une certaine Madeline qui ressemble à Madeline serait totalement fortuite. Totalement fortuite, effectivement. Et c'est le time et c'est la fin du jeu en 33, 47, c'est ça? 33, 47. C'est un très, très, très bon temps. C'est un excellent temps. C'est une troisième place. C'est un très très bon temps, hein, 33-47. À 20 secondes, vraiment, à 30 secondes de la deuxième place, c'est un troisième temps. Et attention chez vous si vous êtes photosensible. Oui, c'est quoi le John 4 déjà? Ah, ça fait longtemps ça. La remontée du Dian 4. Ah oui, regarde. Le flashback 20 ans en arrière, là. Dur. Et du coup, voilà, il fait pleuvoir ses spores sur la Terre pour redonner de l'espoir au peuple fongique. Oh oui, magnifique. On replante. On replante les champignons. J'adore l'humus. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Eh bien, c'était... oh là là, et les petits champignons qui poussent. Les petits champignons. Du coup, il y a de l'espoir qui revient dans... Il y a de l'espoir. Oui, c'est ça, l'espoir revient. Oh oui. L'espoir revient. Et voilà, donc un jeu qui a été effectivement kickstarté, hein, comme c'est marqué sur le générique. Et si vous aimez bien le jeu, n'hésitez pas à vous lancer. En casu, il est un petit peu plus simple. Alors, c'est-à-dire que le jeu vous donne tout à disposition très vite. Donc après, c'est un petit peu à vous de le faire à votre sauce. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à regarder aussi Lone Fungus 2 qui va bientôt sortir. Enfin, bientôt. Je dis ça, je suis pas le développeur, donc je sais pas. Mais en tout cas, il est en développement. Bien sûr, comme Silksong d'ailleurs, qui va bientôt sortir. Tout à fait, n'hésitez pas. Source, t'inquiète frère. En tout cas, très 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 bon, très très bon jeu, hein. Un jeu effectivement qu'on vous invite à faire, parce que là, bon, vous avez vu un peu les boss, etc. Mais c'est finalement l'intérêt, n'est-ce pas le voyage plutôt que l'arrivée. Oh, c'est beau. Et la démo est déjà disponible pour le 2, bah c'est parfait, c'est merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Je pense que Bigor Noob va nous rejoindre. Ah non, c'est moi qui nous rejoins. Ah oui, parce qu'on va faire de la pub, non, c'est ça, moi. Bah, accessoirement, je suis ton binôme pour le reste. Ah d'accord, reste, ok. Ah oui, mais oui, c'est bah bien, oui. Non, mais ok, je vois que tu me portes beaucoup d'intérêt. D'accord, non, je t'appuie, c'est vrai. Pardon, excuse-moi, c'est vrai que je t'associe directement à la publicité.